ديك لو ار سي دي يقولوا انهم عرضوا عليك ربما منصب وزير او كنت قادر تكون وزير. Ça fait rigoler. Écoutez, c'est en 1981, il y a eu un remaniement ministériel après le 20 avril, après le séisme du 20 avril 1980. L'Arbi Ould Khalifa et Ali Oubouzar m'avaient sollicité pour devenir le chef de cabinet de monsieur Ould Arbi Khalifa. J'avais refusé. En 1981, j'avais exactement 30 ans. J'avais refusé en disant que si vous avez besoin de constitution de dossier, je vous les fournis. Mais il est hors de question que je sois salarié, que je sois fonctionnaire sous votre autorité. Je défends des idées, je suis un militant de la majorité, je ne voudrais pas qu'on dise qu'on m'a récupéré. Depuis, j'étais au RCD, ceux qui étaient devenus ministres du RCD n'étaient pas mieux placés que moi pour l'époque. J'ai préféré couper avec le RCD que de courir après une fonction ou après une carrière. Non, moi, je suis un idéaliste, je suis un militant d'idées. Je ne suis pas un militant du ventre. Si ça se savait, si c'était le cas, cela se saurait. Farhan, si tu me permets de le dire, hein, parce que lui, il n'a pas voulu le dire. Farhan, lors des remaniements gouvernementaux après l'arrivée de Bouteflika, était convoité pour un poste de ministre. Et un des militants de la direction du RCD était venu le voir pour lui dire, hormis toi et moi, hein, c'est comme ça, qui vois-tu comme ministre du RCD? Alors, c'est le tour de tournoi. Allez, il y a le malouma.